Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo comment afficher son compteur d'abonnés. Alors tout d'abord, il y en a plein, enfin il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est un compteur d'abonnés. Il y a même des youtubeurs qui ne savent pas ce que c'est, ça se trouve. Mais en fait un compteur d'abonnés, c'est tout simplement en gros genre votre nombre d'abonnés. En direct, voilà. Bon, de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voudriez savoir comment afficher son compteur d'abonnés. Donc, logiquement, vous savez déjà ce que c'est. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref, du coup. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on écrit, vous allez écrire dans la barre de recherche, c'est mieux. Vous allez écrire live. Bon, vous voyez, enfin, moi, il y a déjà écrit live compte. Avec un s.net. Et vous cliquez ici, tout simplement. Vous écrivez live. Non, merde. Donc là, vous voyez pas, mais voilà, c'est pas très grave. Vous écrivez liveaccounts.net. Non, merde. Donc, ou bien vous cliquez sur Google liveaccounts.net. Et vous prenez le premier où il faut qu'il y ait écrit en vert https://livecounts.net. Vous mettez vos cliquets dessus. Ensuite, vous allez sur votre chaîne YouTube. Donc, sur YouTube. J'espère que ça va fonctionner parce que des fois ça bug quand je vais sur ma chaîne. Voilà. Donc, vous allez sur votre chaîne YouTube. Vous faites copier-coller. Merde. Ça ne fonctionne pas. Merde. Vous faites copier-coller le lien. Copier. Coller. Voilà. Vous mettez OK. Et donc là, ça va mettre, voilà, mon nombre d'abonnés en direct. D'ailleurs, merci énormément. J'aimerais beaucoup avoir 160 abonnés. Mais si par exemple, vous êtes une personne qui a un pseudonyme, enfin un nom de YouTube assez original, comme par exemple Squeezie. Il n'y a personne d'autre à ce que je sache qui s'appelle Squeezie. Voilà, vous écrivez juste Squeezie, ça va vous mettre son nombre d'abonnés. Par exemple, vous mettez Cyprien et ça va vous mettre son nombre d'abonnés. Par exemple, on va mettre Camilla. Vous regardez, Camilla, bonjour. Avant, ça s'appelait Gratteuse Bonjour. Même si on écrit Gratteuse Bonjour, ça va nous mettre Camilla Bonjour. Voilà, donc c'est une enfin, je veux dire, c'est une youtubeuse. Voilà, ça fait une barre d'infos. Et aussi à Cyprien Squeezie, si vous voulez, je vous la mettrai. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Aussi, je suis à la recherche des personnes qui font des bannières et des PDP. De préférence qui vont ensemble. Voilà, si vous faites les deux, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mon pseudo est dans la barre d'infos. Sur ce, bisous et bonne journée!